Bonsoir Clermont-Ferrand et bonsoir Reims. Nous allons maintenant accueillir l'équipe de Une belle histoire. C'est Pierre Langlais qui va mener la conversation. Et ensuite, nous aurons le plaisir de voir en avant-première un épisode. À toi, Pierre. Alors, ça va pas être une conversation tout de suite, hein. On va pas vous faire attendre, on va voir le premier épisode, mais je voulais juste faire monter l'équipe, en tout cas Frédéric Krivine, le créateur et scénariste de la série, et puis ses interprètes qui sont avec nous ce soir, Juliette Navis, Louise Monod, Tiffen Davio et Sébastien Chassagne, dans l'ordre en partant de Frédéric Krivine qui est tout au bout, et leur laisser le micro une minute pour vous présenter cette série de France 2. Qui sera diffusé quelque part début 2020. On aura quelqu'un tout à l'heure sur scène avec nous de France Télévisions. Ça sera le moment pour essayer de lui tirer quelque chose qui ressemblera à une date, à moins que le producteur qui est aussi dans la salle puisse le faire, même si évidemment on se doute bien qu'on n'aura pas la date précise. Ça ne se passe pas comme ça à la télévision, en tout cas pas à la télévision française. En attendant, qu'est-ce que c'est que cette série? De quoi ça parle, Frédéric Krivine? Je vais vous laisser le micro pour la présenter un petit peu au public avant qu'on en regarde un épisode. Très rapidement, bonsoir, merci d'être là. C'est une série sur le couple. Le couple concerne tout le monde. C'est une série sur l'amitié. L'amitié concerne tout le monde. C'est une série sur la bonne humeur, la joie, l'allégresse, la joie de vivre. Et je suis vraiment heureux d'être là et que vous soyez là. Je vais arrêter parce que sinon je vais avoir des crampes. Et je vais passer. Merci vraiment d'être là. Je suis heureux que vous soyez là. Et je vais passer la parole à ma voisine. Bonsoir. Je suis Juliette Navis, je joue dans cette série et j'en suis vraiment très heureuse. Je suis dans un de ces couples, je suis heureuse dans ce couple. dans le couple dans la série. Et je suis très amie avec Caroline. Enfin, Louise. À qui je passe le micro. Oui, merci. Tellement sympa. Bonsoir. Moi je joue donc Caroline. Et je fais partie d'un autre couple. Hein. On n'est pas en couple, évidemment. Enfin, ça pourrait, hein, ceci dit. Mais voilà, je ne suis pas en couple avec elle. Peut-être plus tard, je ne sais pas. Dans la série, dans la vie, je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, je vais aussi passer le micro à ma voisine. Et merci d'être là. Vraiment, c'est chouette. Bonne projection. Bonsoir. Moi, je suis Tiffen Davio. J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Pardon. Et donc, je joue Charlotte. Des couples anonymes, mais bientôt ils ne le seront plus. Et du coup, je suis avec Seb, pas dans la vie, mais sur l'écran. En couple. En fait, je balance trop d'infos que j'aurais. Parce que vous voyez que le premier. Pardon. Bonne projection. Merci. Moi, je joue David. Et voilà. Et c'est une série qui est très difficile à pitcher, mais qui est très agréable à regarder. Donc voilà, je pense qu'on en a assez dit. Voilà, bonne projection. Et donc à la fin, ils meurent tous. Non, je rigole. Eh bien, on va regarder un épisode et puis ensuite, on va revenir en discuter un petit peu. Donc restez après la projection. Vous pourrez partager vos premiers sentiments et poser des questions sur ce que vous allez voir. À tout de suite, bonne projection, bonne avant-première. Donc je vais demander à l'équipe de me rejoindre. Comme vous pouvez le constater, il y a de la place, il y a du monde. Allez-y. Normalement, il y a une chaise pour tout le monde. Hein, on a fait le calcul, si je ne me trompe pas. Si. Ouais, voilà. Mais je me suis légèrement décalé. Allez-y, venez. Se joindre aussi à nous qui n'étaient pas sur la scène tout à l'heure, Emmanuel Dossé, ici même. L'inventeur de la manœuvre de Dossé, c'est ça, on l'a tous vu la blague hein, dans le premier épisode, et aussi donc le producteur de la série. Oui, c'est bon, oui, il y a une chaise pour tout le monde, venez, il en reste une à côté de moi. Et que j'écorche pas votre titre exact, France Camus, conseillère de programme à France Télévisions, donc c'est vous qui, du côté de la chaîne, avez suivi cette série. Voilà. Alors évidemment, on va vous donner la parole, à vous, dans le public, pour pouvoir poser vos questions, éventuellement...
teinter vos questions de réaction aussi, puisque c'est un moment d'extrême tension pour l'équipe qui est sur scène et qui va avoir des gens en face d'elle qui vont pouvoir réagir. J'espère de façon plutôt positive. En tout cas, nous, à Télérama, on a plutôt bien réagi à cette série, sinon on ne serait pas là ce soir. Oui, il y a du monde, on va se pencher comme ça, on va y arriver. Donc, je vous représente, comme ça on a bien fait le tour. Frédéric Krivine, créateur, scénariste, Bou, Emmanuel Dossé, producteur. Sébastien Chassagne, que vous avez vu à l'écran. Tiffaine Davio, même chose que vous avez vu à l'écran. Louise Monod à l'écran également à l'instant. Juliette Navis et donc France Camus qui est avec nous ce soir. Frédéric Krivine, on va peut-être commencer par vous. On vous connaît surtout d'Un village français. En tout cas, le public ces dernières années a suivi Un village français que vous avez co-créé et scénarisé, et co-scénarisé, mais dont vous étiez le chef, pour dire les choses simplement. Vous avez aussi fait PJ, qui était un polar à la fin des années, qui a commencé à la fin des années 90. J'étais vous êtes jeune. sur un registre très différent, là. Donc, moi, je voudrais simplement vous demander, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire, qui est un très libre remake d'une série britannique qui s'appelait Cold Feet. Et finalement, qu'est-ce qui, dans cette histoire-là, vous, en tant qu'auteur, que scénariste, vous a parlé, vous a donné envie, parce que c'est pas une évidence, les gens pensent à Village français, c'est pas une évidence. Pour vous, ça l'est peut-être. Une évidence, je sais pas, il y avait beaucoup de couples dans les villages français, qui est petit à petit devenu d'ailleurs, sans que je l'ai imaginé au départ, une série sur le couple aussi, avec des occupations, des résistances et des collaborations. Là, c'est quand Emmanuel m'a proposé ce concept, donc trois couples, dans la mesure où c'était effectivement, il y avait la possibilité de faire une adaptation libre, on n'avait pas à reprendre les histoires spécifiquement. Bon, une fois qu'on réfléchit en prenant du recul, trois couples, je me suis dit, je peux raconter ma vie, enfin, n'exagérons rien. Mais disons que c'était très libre, et donc le couple, c'est effectivement un sujet qui m'intéresse. Je suis d'ailleurs moi-même en couple. on est au couple anonyme, ce que je disais à Tiffaine tout à l'heure, je crois. Non, mais je veux dire que c'est une façon de pouvoir parler de la nature humaine très différente, effectivement, de voir des gens pris dans la tourmente de l'occupation. Ce n'est pas une tourmente avec le même genre de durée et de conséquences directes, mais c'est une grille pour parler de la nature humaine qui est vraiment passionnante, quoi. Et donc, par ailleurs, dans le champ français, il y a eu pas mal de choses à l'étranger, il y avait eu des différentes choses à l'étranger. Dans le champ français, il y avait une grande série récente sur la famille qui était Fais pas ci, fais pas ça. Sur le couple, à proprement parler, il n'y avait quand même pas grand-chose. Donc, ça donnait envie, quoi. Les questions suivantes, pour la plupart, s'adressent à tout le monde. Donc, on va faire comme à l'école. Si vous avez quelque chose à dire, levez la main et vous prenez la parole. D'abord, effectivement, ce genre de la... Alors, c'est de la comédie... J'aimerais dire comédie dramatique romantique. Ça fait un peu long, mais on va le dire comme ça, parce que ça... Ça commence quand même pas tout à fait comme une comédie romantique. Enfin, la première scène, elle est pas extrêmement joyeuse. Elle est même extrêmement tragique, voire assez violente. Est-ce que c'est important, ça, d'ouvrir l'histoire sur ce drame-là? Est-ce que sinon, elle aurait la même valeur, cette histoire? C'est une comédie romantique. Et au début, on assiste à un couple qui se sépare, en fait. Oui, on peut dire ça. Et après, du coup, comme David a perdu son premier amour, l'amour de sa vie, il va avoir un peu de mal à retrouver l'amour. Donc, on est en plein dans la comédie romantique. Et en fait, au début, cette scène n'était pas dans le pilote. Elle était dans le développement du personnage. On savait que David avait perdu Anaïs comme ça. Puis on a fini par se dire... Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne le filme pas? Puis après, j'ai fini par me dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'on allait le filmer? Tellement c'était une galère de les tourner à la montagne. Au final, je pense que cette séquence, elle est vraiment importante pour vraiment qu'on se rapproche du personnage. Après, lorsqu'on est avec David dans la voiture, on est très proche de lui parce qu'on sait ce qu'il a vécu. France Camus, vous avez pris le micro. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup discuté entre nous de cette première séquence à l'écriture, parce que c'était évidemment un empêchement majeur pour notre couple comme ça qui se rencontrait, où on allait découvrir, voilà, on était vraiment dans la comédie sentimentale avec eux deux. Il fallait un empêchement, puisque qui dit comédie romantique dit empêchement, et laquelle empêchement plus extraordinaire que voilà, la mort pour commencer cette comédie romantique. Après, c'est vrai qu'en termes de ton et de tonalité, on a beaucoup discuté de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit les téléspectateurs, ils viennent et on leur donne une promesse.
on leur dit voilà, on va installez-vous tranquillement, on va vous embarquer dans une histoire. Et en fait, cette séquence-là, effectivement, comme vous l'avez tous vécu, elle est dramatique et elle est très prenante émotionnellement. Et en fait, donc on a beaucoup, beaucoup discuté des heures et des heures de cette première séquence. Et le résultat est absolument incroyable parce qu'on a une empathie pour le personnage absolument dingue. On commence et on est avec lui, quoi. Est-ce que c'est une façon aussi de répondre à, alors, une question que le critique, ça ne le gênera pas, de se dire que c'est une chronique et que c'est une histoire du quotidien et qu'il y a ni flic, enfin il y a médecin en l'occurrence, mais il y a un flic aussi. Oui, voilà, on les a vus. Mais tout ça pour dire que on est souvent obsédé à la télévision pour qu'il y ait des enjeux très forts, comme dirait l'autre, et comme si l'amour n'était pas un enjeu assez fort. Et comment on gère ça pour la chaîne, pour le scénariste, pour le producteur, pour faire en sorte de faire comprendre au public que finalement, ben non, il n'y aura pas de course-poursuite, que non, voilà, qu'un certain nombre de choses qu'on semble être obligé d'entasser à la télévision, ben on va s'en passer parce que les personnages, ça sera assez fort. Ça a l'air simple dit comme ça, mais je vois Emmanuel Dessay qui bouge la tête. C'est pas si simple de vendre au public une histoire comme ça. On sait pas encore si on va lui vendre. Enfin, on verra bien qui sera là. Vous allez essayer, déjà, en tout cas. On va essayer, oui. On verra bien qui sera là à 20h50 et à 22h et des poussières. Je pense que pour créer de l'adhésion, il faut des obstacles externes dans une histoire, quelle qu'elle soit, et que le type qui arrive à la fin de l'épisode est un obstacle externe. Elle est maquée, merde. Mais les obstacles internes sont beaucoup plus puissants de par la trace qu'ils laissent dans le public. Et ce sont les obstacles internes qu'il faut qu'on se retrouve dans des gens, puisqu'on est quand même plus gêné en général par nos résistances internes que par les problèmes externes, disons. Et là, pour le coup, c'était une solution en dehors de quelque chose de, on va dire, cinématographique, très dramatisé, qui dans les premières minutes de diffusion, à un moment important où une partie du public zappe pour choisir son programme, est quand même important d'accrocher, on va dire, le public. J'aime, moi, la télévision, et j'aime aussi accrocher le public d'une façon ou d'une autre. Là, c'est littéralement le cliffhanger, sauf que, enfin, elle ne s'accroche pas. Mais... Il y a une prise de risque à cause du niveau d'intensité, on verra bien. Il y a une petite prise de risque, mais on a considéré qu'on était suffisamment proche des deux personnages, et notamment de David, pour que les gens soient effectivement un peu groggy, mais qu'ils ne partent pas. Et donc, ce qu'on a pu voir dans les projections, c'est probablement ce qui va se passer. Question pour les interprètes, comme on le présentait au début, c'est une comédie aussi sur des personnages qui sont plutôt trentenaires, fin de vingtaine, je ne sais pas si vous avez défini précisément l'âge de vos personnages, mais est-ce que c'est une comédie générationnelle, est-ce que c'est une histoire générationnelle? Vous êtes quatre, celle ou celui qui veut répondre à ça. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ça parle? Parce que c'est vrai qu'ils sont tous dans. Enfin, ils sont copains d'enfants. On comprend qu'ils sont copains de longue date, ces gens-là. Allez, patate chaude, c'est parti. Juliette. Oui, alors c'est. Est-ce que c'est générationnel? Oui, par la présence de personnages, mais ça évite quand même beaucoup d'écueils de citations de génération, pour le coup, s'il n'y a pas de. Il n'y a pas ce qu'on pourrait retrouver, ça ne s'accroche pas à la pop culture actuelle non plus. C'est-à-dire que c'est une comédie générationnelle, je pense, dans ses préoccupations, dans son langage, dans le fait de faire attention au choix des mots, dans sa manière de s'exprimer, etc. Mais je n'ai pas l'impression, pour le coup, que dans les occupations, tu vois, il n'y a pas le côté l'adolescent qui joue à la PlayStation, qu'est-ce que c'est, les autres clichés de notre génération, j'en sais rien. Non, j'ai pas de PlayStation, j'ai une Nintendo Switch. Mais il n'y a pas de référence en tout cas à ça, pour le coup, dans la série. Donc elle est très concentrée sur l'amour. Et j'ai pas l'impression que ce soit une façon si générationnelle que ça de la décrire non plus. Oui, parce qu'en plus, au niveau bande-son, on n'est pas super générationnel. C'est plutôt au contraire intemporel. Là, on a une bande-son qui est très classique. Je peux pas parler en même temps que toi. C'est fou. C'est le cirque qui marche. Oui, c'est ça, c'est dingue. Non, mais si, au niveau du son, il y a des références un peu plus anciennes que d'autres, mais il y a une musique originale qui a été composée aussi. Hein, par Guillaume Loiseau et interprétée par Nadège Loiseau, qui est la réalisatrice, qui malheureusement n'a pas pu venir ce soir parce qu'elle est en train de tourner un film. Donc c'est elle qu'on entend chanter dans la scène où il regarde les photos sur son téléphone. Ouais, c'est elle qu'on entend chanter. Lointainement, nous, ça nous fait penser que c'est Anaïs qui chante, en fait.
Ah oui. Donc, il y a... Non, non, mais oui, oui. Et voilà ce que j'avais à dire sur la génération. Parce que je trouve ça bien aussi. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Sébastien Chassagne. Moi aussi, tellement. Elle aussi. Non, c'est vrai que c'est pas particulièrement générationnel. Non, je trouve pas que... Non, c'est plutôt... oui, c'est vraiment axé sur les sentiments et je pense être... Enfin, rire, être touché, mais plus quelque chose, peu importe l'âge, en fait, enfin, je crois. Comment on joue avec les différents types de couples, alors? Parce que dans la comédie, on part souvent d'un stéréotype, qu'il soit fortement assumé ou très légèrement assumé, ou en tout cas d'une situation auquel le public peut facilement s'identifier. Bon, là, on a le couple qui attend un enfant, on a le couple qui a des problèmes de fidélité, et le couple central qui est plutôt en fait, ceux qui ne devraient pas se rencontrer, ou enfin, en tout cas qui ne cherchent pas vraiment au début à le faire. Comment on joue avec ces stéréotypes-là, la question marche autant pour les interprètes que pour l'auteur. Pour l'auteur, l'axe était de savoir, en gros, il s'agit d'étudier des dispositifs conjugaux très différents les uns des autres et de raconter des gens qui vont, on verra pendant combien de saisons, trouver des moyens pour tenir, soit envers et contre tout, soit pour tenir quand même. Là, l'axe qu'on a choisi, c'est qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour tenir un couple et pour réussir un couple. Et c'est autour de cet axe que les trois couples ont été définis, avec ceux qui se rencontrent aujourd'hui et qui sont des gens assez proches d'eux-mêmes et de leurs émotions et qui sont prêts à sacrifier un peu sans s'oublier, quoi. Qui sont donc David et Charlotte. Il y a Philippe et Caroline qui sont des gens qui se sont rencontrés très jeunes et qui n'ont aucune intention de sacrifier quoi que ce soit. Donc évidemment, ils rencontrent un certain type de problèmes de façon récurrente. Et il y a Georges et Malika, à l'autre bord, qui, eux, doivent sacrifier des parts essentielles, gigantesques d'eux-mêmes, pour que ça puisse tenir. Mais ils y arrivent, en tout cas avant l'arrivée de l'enfant, assez bien. Donc c'était ça l'axe, disons, de classement des trois couples par rapport à la problématique de la série. Est-ce que les interprètes des personnages veulent réagir à ça? Et la façon dont vous voyez vos personnages par rapport à ces archétypes et par rapport à peut-être leur dynamique, parce que c'est vrai que le personnage de David est sans doute le plus dramatique parce qu'il a ce point de départ qu'on voit et qui fait que lui est en deuil, ou en tout cas essaye de surpasser son deuil. Comment est-ce que vous voyez la dynamique comique et dramatique de vos personnages respectifs? Encore moi? Ouais, non, c'est bon, ça, je viens de le faire. La perspective dramatique, pour le coup, elle est assez facile à envisager. De fait, elle est assez aidée par la situation initiale. Et oui, comique. Et le comique, ouais, il est très, 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 très en réponse aux autres. Ça, pour le coup, c'est un truc très, très agréable dans cette série. C'est qu'elle est, et dans les épisodes qui suivent notamment, très, très équilibrée. Et donc, il y a ce truc de passage de relais un peu qui est très, très agréable entre les différents protagonistes. Et donc, la comédie, elle est tellement portée par plusieurs personnes, plusieurs voix et pas que les rôles principaux, que du coup elle est assez simple en contre-proposition, je dirais. Enfin, en tout cas pour ma part, vu qu'effectivement la proposition n'est pas trop de ce côté-là. De mon côté, je pense que la perspective comique dans mon couple est complètement prise en charge par Jean-Charles Cliché, mon compagnon, voilà, dans la série, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir parce qu'il joue au théâtre, mais... Je pense que je suis vraiment le contrepoids dramatique du couple. Et sur le tournage, c'est difficile parce qu'il me fait vraiment beaucoup rire. Et donc, voilà, c'est très, très compliqué. Tu veux parler ? Louise ? Non ? Oui ? Non, moi, j'ai envie de réagir sur le sacrifice. Parce que moi, je me disais quand même, Caroline, pour moi, elle a quand même fait des sacrifices parce qu'elle a arrêté de travailler. Non, mais c'est vrai, elle s'occupe des enfants. Et je pense qu'il y a quand même... Bon, elle s'est adaptée, mais bon, après, voilà, c'est dur de parler de la suite, mais entre, bah, je sais pas, je pense qu'il y a quand même une forme d'attente et d'adaptation à cette vie, mais qui lui correspond pas totalement. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit un peu à David, mais voilà. Comment vous parliez du rapport avec le partenaire, avec le couple que vous formez à l'écran? Comment on trouve l'alchimie? Alors, on n'a qu'un des trois couples et on a deux moitiés de couple, mais il y a au moins un des couples qui est là, même si on ne sait pas quel avenir la série leur réserve. Moi-même, je ne le connais pas, je n'ai pas vu l'intégralité de la saison. Mais en tout cas, on comprend qu'il y a quelque chose entre eux. Comment on trouve l'alchimie? Alors, la réalisatrice pense à un rôle important, l'auteur aussi, mais comment on fait pour faire croire aux gens
qu'il se passe quelque chose, que, comment on crée l'alchimie, et c'est valable pour les trois couples, même s'ils ne sont pas du tout au même stade de relation. Bah après, ça c'est, ouais, c'est le casting essentiel. Après, c'est notre métier aussi de tenter de faire croire que... Votre métier, qu'est-ce que vous en faites dans ces instants-là? Bah, honnêtement, moi, je crois qu'il y a quand même une grosse part qu'on... C'est un peu Inch'Allah, quoi. Parce que c'est un, c'est un peu le loto, quand même. Je pense que parfois, ça le fait, parfois, ça le fait pas. Je pense qu'évidemment, il y a une réalisatrice, là, qui a casté très bien, moi, je trouve... pas de moi, évidemment, mais mes compères, tout ça, je trouve qu'elle a très bien casté et qu'elle a su voir les choses, mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un œil aussi. Je pense que tout le monde n'a pas ça. C'est de l'intuition. Parfois, je pense aussi qu'on peut se planter. Et après, sur le plateau, ça passe ou ça passe pas, les énergies passent ou pas... Le rythme passe ou pas, donc ça après c'est un peu au petit bonheur la chance. Et pour le coup, je trouve que dans les trois couples, il y a une couleur différente à chaque fois et c'est très équilibré et chacun a sa partoche aussi. Personne n'empiète sur personne. Et comme disait un peu Seb tout à l'heure, au niveau de la comédie, au niveau de tout, c'est très bien équilibré. Et moi je pense que dans la comédie d'ailleurs, ce qui marche et ce qui, je crois, fonctionne à l'écran dans ce qu'on voit, je crois que c'est aussi une partie de fraîcheur. J'ai l'impression de d'envie, de plaisir qu'on a à être ensemble aussi, parce qu'en fait on s'aime vraiment bien, donc c'est une chance. Marche. Oui. Alors, tu n'es pas branché ici. Frédéric Krivine, comment on tient cet équilibre justement? Alors il y a quelques punchlines, comme on dit en bon français, donc il y a quelques blagues, il y a quelque chose qui sont vraiment très écrites. Ça joue aussi beaucoup sur les maladresses, sur en gros. On imagine bien comment au tournage la réalisatrice peut travailler sur les et avec les acteurs et leur vision sur comment on va incarner tout ça. Mais comment ça s'écrit? Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas en fait, qui sont dans les regards, qui sont dans pour créer ces dynamiques. Donc en amont, comment on pense à tout ça? Bon, l'ambition, c'était c'est une série qui est très lointainement inspirée, c'est le réalisme poétique, c'est du réalisme politique moderne à la télé, ce qui veut donc dire qu'il faut qu'il y ait des moments extrêmement ordinaires, mais même triviaux, et l'espérance, mais ça, il n'y a que Nadège Loiseau, la réalisatrice, et les comédiens qui pouvaient après transformer l'essai, l'espérance est d'arriver sur ce terreau de réalisme politique, pas politique, non, poétique, à ce que la nature humaine se voit. Enfin, les conditions humaines, si vous préférez, se voient. Et ça, incontestablement, le scénario, s'il est correct, il permet éventuellement que ça arrive, mais ça arrive par ce qui se passe entre la réalisatrice et les comédiens, et aussi entre les comédiens, enfin, ce qui arrive entre les comédiens entre eux. Alors ça, pour le coup, je ne maîtrise pas du tout ça. On fait des paris avec la réalisatrice en choisissant les gens, sur des critères d'ailleurs, entre le pifométrique et la sensation. Donc assez pifométrique, hein, la sensation. On le sait dans nos vies privées que c'est quand même... Il y avait quand même la directrice de casting, Okinawa Gerard, avec qui on a fait tout le village français, qu'on connaît très très bien. Et qui est une formidable directrice de casting qui nous aide, hein, qui nous accompagne dans ce travail. Donc il y a du pif, mais il y a aussi pas mal d'expérience. Et après, la sculpture, disons, enfin, comment ça se passe, bah, c'est surtout dans les premiers jours de tournage où la réalisatrice et les comédiens construisent vraiment les personnages. Après, il y a des scènes merveilleusement bien décrites. Enfin... Mais comment ensuite je pose la question candide, parce qu'il faut la poser, comment on crée la relation de couple, les interprètes, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire que avant le tournage on va se faire des dîners aux chandelles histoire de faire passer le courant? Dans ce cas-là, je ne sais, je crois qu'il y a des couples dans la salle, donc on va pas poser de situation embarrassante. Mais comment on rend crédible aux yeux du... Pour le téléspectateur, c'est très important de tomber amoureux des personnages et de se dire, moi j'aimerais bien être confronté à ce qu'ils affrontent, en bien en mal, bref, de se sentir concerné. Et donc comment on crée cette alchimie? Je sais que c'est un peu je vous demande la poule et l'œuf là, mais comment on s'arrange? Est-ce que ça veut dire qu'on passe du temps avec son compagnon d'écran avant le tournage, histoire de créer quelque chose?
structure, j'ai l'impression que, voilà, je me suis pris le micro, que qu'il y a déjà une alchimie, je veux dire, dans le groupe avec Nadège quand on a fait les lectures et on a voilà, on réfléchissait ensemble. Déjà, il y avait une alchimie, ça fonctionnait. Donc les lectures, c'est quand avant le tournage, quand on se pose et on lit le scénario. On lit le scénario et on se renifle tous les uns les autres. Enfin, c'est vrai, on se découvre. Donc c'est et c'était une belle surprise. Enfin, moi, je me souviens de sortie de cette lecture hyper heureuse de partir sur cette aventure. J'avais un bon feeling. Perso. Et après, bah, chaque couple a eu un peu son moment. Moi, j'ai commencé le tournage avec Ben. Et c'est vrai qu'on était dans notre appartement, donc on a eu le temps de construire. On était dans le même décor pendant une semaine et tous les jours ensemble. Donc et c'est vrai que du coup, quand j'ai visionné les épisodes, c'était rigolo de découvrir à nouveau, même si évidemment j'avais lu le scénario, les scènes des autres et de voir à l'image ce que ça donnait. Et j'étais hyper touchée et je suis tombée amoureuse de chacun de leurs couples. Je trouve que voilà, tous les couples sont différents et peuvent parler à chacun. Oui, non, on n'est pas partis en vacances ensemble et tout. On n'a pas fait de week-end. Mais on s'était déjà rencontrés un petit peu dans un festival avec Seb. Et après, je ne sais pas, c'est comme dans la vie, en fait. On rencontre les gens. On a passé du temps ensemble. De toute façon, on a tous tourné un peu séparément, en fait. Beaucoup, enfin, surtout moi, parce que j'ai mis du temps à intégrer le groupe. Donc, à l'écart. Mais donc, on était tous un peu dans notre petit cocon de tournage, chacun... On a d'ailleurs découvert tout à la fin, parce que moi, il y avait plein de choses que je n'avais pas vues, et vous, pareil, de ce qu'ont fait les autres, en fait. Donc, on est un peu dans notre petit cocon de notre histoire. On raconte un peu que ça aussi, à part toi, Seb, qui va un peu voir tout le monde, etc., machin. Mais non, et après, moi, je crois beaucoup, ouais, je ne sais pas, c'est vraiment comme dans la vie, l'alchimie. Et c'est vrai qu'on s'est tous très bien aimés et entendus assez rapidement. Mais c'est vrai qu'on s'est vu aussi en amont, tous les deux, on a bossé. Je voulais pas qu'on parle. Oui, d'accord. Mais non, mais il n'y a rien de secret. Tu voulais pas dire qu'on avait fait des lectures ? Si, on a fait des lectures. Ah, si, parce que, non, on n'a pas fait 12 000, mais on a quand même travaillé un peu en amont, tous les deux, pour essayer de trouver la relation dans les mots, dans les trucs, les machins. Et après, je crois que ce que tu disais tout à l'heure sur l'alchimie, c'est hyper important. Il y a des gens juste avec qui tu les mets côte à côte et tu les filmes, et juste ça ne marche pas. Alors, à moins que ça intéresse la réalisatrice ou le réalisateur pour des raisons diverses, en vérité, je crois que ce truc-là de l'alchimie, il est hyper important. Enfin, surtout dans ce genre de temps de préparation qui sont relativement courts selon les productions. Là, c'était un temps relativement court compte tenu de ce qu'il y avait à accomplir, mais le choix du casting est très important. Oui. Qu'est-ce que vous rigolez parce que j'étais trop long? Je trouve aussi que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ça ne se construit pas que à deux, en fait, ça se construit vachement avec Nadège. Non, mais ça se construit même avec tout le monde. Enfin, effectivement, il y a un texte. Non, mais bien sûr, ça se construit avec tout le monde. Mais je pense, comme la question elle était vraiment sur le couple, l'alchimie du couple, comment est-ce qu'on le trouve? Comment est-ce que quand on ne connaît pas son partenaire, on arrive à faire croire qu'on a été ensemble depuis je ne sais pas combien d'années ou qu'on est amoureux, qu'il y a le coup de foudre? Je pense que c'est évidemment de l'écriture, de la mise en scène, mais c'est aussi une alchimie à trois, je dirais presque. Mais parce que moi, c'est vrai que j'aime aussi Georges dans les yeux de Nadège qui est en train de me filmer. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est pas dans un truc exclusif avec le partenaire. C'est très ouvert à l'équipe. Quoi. À la lecture, si je peux me permettre, à la lecture, à un moment donné, il y avait une scène et tu disais, mais il est con en fait. Et tu disais, mais je l'aime, mais elle voit qu'il est con. Et Nadège t'avait expliqué. Non, mais c'est vrai. Donc, elle joue vraiment et t'avait dit, ah oui, d'accord, je comprends. Question peut-être pour le producteur, Emmanuel Dossé, à moins que ça ait été une discussion en amont avec la chaîne et avec Frédéric, le nord de la France, ce décor, les spécificités qui peuvent aller avec, c'est parce que c'est en ce moment, ça, c'est quand même pratique de tourner par là-bas, il y a un certain nombre de séries qui sont tournées dans cette région, ou est-ce que c'est un choix et ça apporte vraiment quelque chose au récit ? C'était une envie qu'on avait, Frédéric et moi, depuis... Ouais. Il y avait même un autre projet de série qu'on voulait situer là-bas. Le Nord, la mer. Puis peut-être lointainement aussi, Cold Feet, ça se passe à Manchester, donc la brique rouge. Moi, ça me paraissait évident, la comédie romantique en brique rouge. C'est en voyant 38 témoins, en fait, de Lucas Bellevaux, en ce qui me concerne, que l'envie de tourner avec ce type de lumière... Et Nadège, par ailleurs, est de là-bas. Enfin, il se trouve que Nadège est de là-bas, donc ça, c'était un enjeu supplémentaire pour elle de tourner. Justement, vous parliez de Cold Feet. Question pour France Camus. Est-ce que c'est rassurant quand on propose une adaptation? C'est souvent
on se pose la question pourquoi faire des adaptations alors qu'on a plein d'idées originales en France. Et la réponse, c'est souvent si on tente quelque chose qui sort un tout petit peu de nos habitudes, c'est rassurant parce qu'on sait que ça a déjà été fait ailleurs. On a une base, on a la preuve qu'il y a eu un public. Voilà. Est-ce que c'est ce cas-là qui s'est imposé aussi ici ? Pas du tout, parce qu'effectivement, France Télévisions, pendant très longtemps, avait une politique affirmée de non-adaptation, parce qu'on développait et on encourageait évidemment plutôt la création française en disant les idées originales, on les veut en France et pas forcément dans l'adaptation. Il se trouve que par ailleurs, l'adaptation, c'est un vrai travail d'écriture. Ça, c'est un petit aparté. Une belle histoire, c'est très lointainement inspiré. Effectivement, Frédéric et Emmanuel ont repris le principe de base de ces trois couples avec une amitié commune qui remonte à très longtemps. Et effectivement, ce couple qui se... Et après, voilà, ils en savent plus que moi sur le principe. Après, au niveau de la chaîne, c'était plutôt cette équipe-là qui nous intéressait, plus que Coldfield, en fait. Hein. Donc, quand effectivement, Frédéric Krivine avec Emmanuel Dessé viennent nous proposer un projet, on se dit, que Frédéric Krivine mette sa patte sur quelque chose qui a déjà existé, on sait que de toute façon, ce sera très, 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 très la patte de Fred. Donc, voilà. J'ai répondu. Oui, j'ai une dernière question et demie avant de laisser le public poser les siennes. Et normalement, je devrais avoir une tablette qui, éventuellement, s'il y a des questions en région, je pourrais vous les transférer, elle va arriver. Frédéric Krivine, Emmanuel Dossé, est-ce que vous avez une vision au long terme ? C'est-à-dire, combien de saisons peut durer cette histoire-là ? Potentiellement une éternité, quand c'est des histoires de couple, c'est comme dans une bonne sitcom ou dans plein de comédies romantiques, ça peut s'étaler sur trois générations presque. Est-ce que vous êtes projeté, évidemment tout ça sous-entend que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y ait suffisamment d'audience, mais est-ce que vous avez déjà pensé un peu à l'avenir de cette histoire-là ? Oui. J'aime bien avoir une idée sur ce qui effectivement arrivera ou n'arrivera pas si la série ne dure pas. De toute façon, les séries de prime time, sauf exception, au bout de 30 à 40 épisodes, dans quasiment toutes les situations, on fait le tour de la variante principale du concept. Et en général, il n'y a qu'à regarder la carrière des séries. C'est assez rare que ça puisse dépasser ça. Là, on a vraiment imaginé quatre phases de la relation David-Charlotte qui rythme la série, même si la série est vraiment chorale. La rencontre en saison 1, vivre ensemble en saison 2, avoir un enfant en saison 3 et traverser la maladie en saison 4. Et après, on rentre à la maison. Voilà. A priori, on se dit que... Traverser quoi en saison 4 ? La maladie. Très bien. Donc, vous venez de révéler ce qu'on s'est dit aujourd'hui. sachant qu'une série, c'est un aller-retour. Il y a ce qu'on fait, il y a ce que les comédiens renvoient, qui est quand même essentiel sur la vie de la série, et il y a ce que le public renvoie également, qui est également essentiel sur la vie de la série. Donc on verra bien. Mais c'est plutôt ce qu'on se raconte aujourd'hui. Et une toute dernière question, parce que finalement, il faut bien la poser, même si on n'aura pas de réponse précise. On la verra quand, cette série ? L'année prochaine ? À 20h50. À 20h50 ? Sur France 2. Un peu plus précisément. Je ne peux pas vous dire. Très bien. On aurait essayé. Dis donc, ça dit que mon téléphone n'est pas connecté. Très bien. Je ne suis pas. Mais je suis sûr qu'il va y avoir tellement de questions ici qu'on va y passer la soirée. Donc, qui veut poser des questions ici même dans le public ? Ouais, nous avons ici au troisième rang. Bonjour. J'ai une question plutôt pour Frédéric Krivine sur le scénario et sur la construction des personnages. Vous avez parlé du fait que les personnages se construisaient sur les premiers jours du tournage avec la réalisatrice aussi, mais avant ça, il y a toute l'écriture. Je me permets de me référer à Un village français notamment, où il y a une écriture très très particulière des personnages où on dirait, où ils sont tous un peu animés par une focalisation, une névrose, une passion qui permet de justifier en fait des tiraillements et d'éviter tout manichéisme. Du coup, j'aimerais savoir si vous avez la façon dont vous construisez vos personnages, si vous avez une technique, si vous avez si vous prenez vos expériences d'événements vécus, etc.
être assez rapide. Oui, je me documente toujours énormément, quel que soit le sujet. Donc là, j'ai vu des conseillers conjugaux et des couples. Et puis, j'ai regardé dans mon plumard. Ensuite, sur la construction, sur le travail, les techniques, il y a une partie... Donc, il y a une consultante en psychologie qui est Violaine Bellet, qui était déjà là sur Un village français, qui a un apport important, un regard important. Et puis, dans l'atelier d'écriture, qui a développé les histoires... mais pas les dialogues des quatre premiers épisodes, mais qui a développé par contre les histoires, les rebondissements, on était cinq. Et sur les quatre auteurs, il y avait trois scénaristes talentueux et une psychologue romancière qui a aussi apporté d'autres éléments pour ce qui est, on va dire, les cas cliniques, la cohérence. Bon. Et après, vous disiez quoi sur le, la cohérence psychologique des personnages, c'est un peu mon obsession, effectivement, à la télévision. Donc là, sur les couples, de toute façon, c'était évidemment un enjeu majeur, que ça soit des personnages bien dessinés au niveau de leur profil psychologique. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais. D'accord, merci. Je vous en prie. Soyez pas timide. Ah, ici. Vous avez combien d'épisodes écrits à l'avance et est-ce que vous vous laissez emporter par l'histoire ou est-ce que c'est très écrit dès le début ? Non, il faut vraiment réagir encore une fois avec les comédiens et le public. Les comédiens nous renvoient quelque chose sur les rushs et dans ce qu'on voit, de où ils en sont, de comment ils vivent ce qui est écrit. Et après, il y a le public. Et donc, même si on a des idées et qu'on anticipe un peu, parce qu'on ne va pas attendre la diffusion pour commencer à écrire la suite, sinon vous allez attendre 5 ans pour avoir une saison 2. Mais on imagine des choses, on a des hypothèses, et après on réagit à ce qu'on sent, comment est-ce que ça a été perçu. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait en gros stratégiquement ce qui doit se passer si la série dure dans les saisons 2, 3, 4. On n'a aucune idée à ce jour des détails, des éventuelles séparations. On va vraiment attendre d'avoir un retour. D'avoir du retour, quoi. On a besoin de retour à la télévision, selon moi en tout cas, pour pouvoir vraiment sentir et être proche, je radote, des comédiens, vu le rôle des comédiens à la télévision qui est encore plus important qu'au cinéma, et du public. Si j'ai un truc que je peux dire, c'est qu'il faudrait vraiment que je sois très 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 surpris pour qu'un de ces couples se sépare. Chez les Anglais, les trois couples sont séparés. Au bout de 5 saisons. Et d'ailleurs, ils ont fait un revival 12 ans plus tard où les couples ne sont plus du tout ensemble. Bon. Moi, j'ai vraiment envie d'explorer comment ça fonctionne. Et dysfonctionne, mais pas au point de se séparer. Bon, je m'excuse auprès des gens qui nous regarderaient peut-être en région, mais visiblement, je suis déconnecté. Donc, s'il y a des questions qui arrivent, je ne peux pas les faire passer. J'en suis désolé. Ça m'échappe, ces choses techniques. Mademoiselle, il y a une question ici au deuxième rang. Bonsoir. Est-ce que tout est vraiment très écrit au moment du tournage ou est-ce que vous laissez un petit peu de liberté d'improviser ou d'adapter les situations au moment où vous tournez ? La dame qui a tourné n'est pas là, je vais donc répondre pour elle. C'est une série dans laquelle les comédiens ont plus de marge de manœuvre que dans Le village français pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici. Du coup, il y a un vrai apport des comédiens. Ils sont là, ils peuvent le dire tout seuls, sans risquer, comme dans Friends, de se faire dégager comme Matt LeBlanc, quand il est le docteur Drake Ramoray, et qu'il explique dans une interview qu'il change tous les textes parce que les textes sont nuls et il est tué à l'épisode d'après. Ça n'arrivera pas. Nous avons besoin de nos trois couples. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vrai que Nadège, notre réalisatrice, aime bien les accidents. Et donc c'est génial parce qu'il y a un vrai cadre et puis un vrai super texte, quoi. Mais à l'intérieur, on se sent libre et de se balader. Moi, j'ai pas fait beaucoup de comédie avant et je sais que j'ai attaqué la première scène toute seule de la série et j'étais là, waouh, où je vais ? Et tout de suite, elle m'a donné le ton et tout, mais il y avait une grande liberté aussi. Il y a la scène avec c'est un cochon d'Inde, hein, ouais. Oui. Quand tu viens avec ton rat. Comment ? Angora. C'est vrai, en répétition, mais tu l'avais pas au début dans la main. Mais je sais pas, moi j'ai eu un fou rire quand il vient nous demander une seringue. En répétition, et Nadège m'a dit, ok, garde le fou rire. Sauf qu'après, il faut le refaire. Et je me suis dit, waouh, est-ce que je vais réussir à rire ?
vraiment. C'était et très bien. Voilà. Et en fait, après, du coup, parce qu'il me semblait qu'au départ, tu devais pas l'avoir dans la main, et finalement, elle te l'a mis après. Quand tu viens nous voir, je crois que tu devais pas l'avoir au départ. Enfin bref, en tout cas, on a gardé ça, typiquement. Et je trouvais ça super, quoi. Voilà, ça faisait pas, du coup, le même temps. C'était une belle surprise. Voilà. Mon expérience. On a le droit aux accidents, on a le droit aux impros, on a le droit. Et puis, elle est assez friande aussi de qui on est et de. Voilà, et puis on bosse pas mal en amont aussi à essayer de trouver des choses dont on a envie, des trucs qui nous embêtent plus ou pas. Enfin, donc non, on est très ouvert pour pouvoir... voilà, après elle garde, elle garde pas, il garde pas, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, nous on a cette liberté-là quand même. Frédéric Rivine, ça veut dire que vous acceptez que ce que vous avez écrit peut bouger? Est-ce que ça veut dire que vous gardez un œil très attentif sur ce qui peut changer? Ou est-ce que quand on fait ce type de série, vous entendez que sur un village français, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, on part du principe que, oui, les comédiens, la dose d'improvisation, les imprévus, les accidents, comme on disait, ça fait partie du truc et que, du coup, il faut lâcher prise un peu plus fortement que sur une série comme un village français. Alors là, ça ne fonctionne que si le public a l'impression de voir des gens dans la vie, dans les sentiments, dans la tendresse, même si je tiens à vous rassurer, toutes les scènes de tendresse ont été simulées, mais il n'empêche qu'il faut quand même qu'on y croit et qu'on croit à tout, vraiment. Dans un village français, dans la promesse, il fallait aussi qu'on y croit, mais il y avait quand même des éléments de langage, au sens fort de ce mot, qui étaient très liés à l'histoire, à une vision de l'histoire, à la politique. Et effectivement, j'avais pas trop envie que... parce qu'un comédien ou une comédienne sent pas effectivement une phrase qui peut être, je sais pas, mal dite ou quoi, que d'un seul coup on parte en vrille sur du sens, parce que le rôle du sens et de l'histoire et de l'idéologie était plus direct dans un village français. Là, moi j'ai 60 ans, les comédiens en ont plutôt 35, sans être totalement ringard et loin du pays dans lequel je vis, j'ai une certaine distance. Je ne suis pas de la génération des gens qui jouent, ni des personnages. Pour toutes ces raisons, effectivement, il faut trouver un équilibre entre, en gros, récupérer le steak dramaturgique qu'on a mis dans la poêle et laisser les personnages, les comédiens personnages, enfin, cette espèce de duo de golem comédien personnage. Trouver une vérité. Après, de toute façon, effectivement, comme le disait Tiffaine, on a le montage derrière. Donc, on peut garder, pas garder. On peut même refaire éventuellement des répliques. Mais ça n'a pas du tout été l'enjeu. L'enjeu n'a pas été d'aller chercher mes petits montages. Est-ce que ça veut dire, si saison 2 il y a et suivante, que vous aurez un échange avec les comédiens? Parce que j'imagine que l'écriture était finie quand ils ont commencé à tourner. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez vous inspirer de ce que vous avez vu? Maintenant que vous les avez vus là en chair, ces personnages, est-ce que ça vous donne des envies, des idées pour écrire la suite? Ben comme toutes les séries, c'est pour ça d'ailleurs que certaines saisons 1, quand on les revoit même dans les grandes séries, sont moins bien ajustées que les saisons suivantes. C'est que là maintenant, j'écris pour ces comédiens-là. Effectivement, j'ai 8 épisodes plus les rushs. Donc ça fait beaucoup de matériel. Je vais effectivement m'adapter beaucoup plus à ce que j'ai senti, sachant que c'est pas non plus, enfin qu'il y a toujours un espace de jeu possible. Enfin bon, c'est pas un dialogue fermé. C'est pour ça que ça, la vie d'une série, c'est ça. C'est vraiment l'aller-retour texte comédien avec le réalisateur bien sûr. Mais effectivement là maintenant, j'écris pour eux et pour elles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que je continue? Merci. Oui, là-bas, il y en a deux. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le choix du titre de la série ? Dans Un village français, dans la dernière saison, on avait mis une belle histoire. Et puis, la chanson de Fugain. C'était à cette époque, enfin, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble avec Frédéric. Et cette série, Un village français, parlait des couples. Et je me souviens aussi très bien que on était en repérage ensemble, Fred et moi, dans le Jura, en 2005, je crois. Et Frédéric me disait que un couple devait être capable de se raconter des histoires, de scénariser.
Bref, tous ces éléments ont fait qu'on s'est dit, bah, et si on appelait cette série Une belle histoire, qui nous paraissait être un titre qui comportait pas mal d'éléments intéressants et plusieurs clés de lecture autour de cette série. Il y avait une question un peu plus au fond. Oui. Bonsoir. Je voulais revenir sur le fait de passer par l'adaptation pour traiter d'un sujet aussi simple, a priori, que l'amour, puisque l'objectif principal de passer... Pas l'amour, le couple. Oui, pardon. Puisque l'objectif principal, a priori, n'était pas seulement de rassurer la chaîne, et puisque l'adaptation est a priori assez libre, quel est l'avantage pour vous de passer par l'adaptation et quelle relation on a, quand on est auteur, avec l'œuvre originale ? La première conséquence de l'adaptation, c'est qu'il faut lâcher une partie des droits, quel que soit ce qu'on reprend, il faut lâcher une partie des droits aux auteurs originaux. Donc ça, c'est bien triste, évidemment. C'est le côté dramédie, si vous voulez, du concept, quoi. Sur l'œuvre originale, honnêtement, j'ai vu les 6 premiers épisodes avec beaucoup d'intérêt, parce que voilà, il s'agissait en théorie d'adapter cette série. J'ai pas regardé la suite parce que ça me servait à rien. On verra si la série dépasse 4 saisons et commence à en faire 8. Il faudra peut-être regarder quel type d'histoire ils ont fait. Mais ce qui est certain, c'est que à la télévision, l'ordinaire est quelque chose de très très compliqué. À l'ordinaire, les sujets relativement simples, naturalistes, disons, c'est compliqué à installer, c'est compliqué de faire venir le public. Le fait de faire une adaptation nous donnait confiance à nous-mêmes plutôt qu'effectivement se présenter à la fois devant la chaîne et devant le public avec c'est l'histoire de trois couples et effectivement nous avons des raisons très très solides de penser que ce concept doit marcher. Ce qui s'est passé aussi concrètement, c'est que France Télévisions souhaite faire pour la case du mercredi des séries qui ne sont pas policières, donc qui peuvent Fais pas ci, fais pas ça, qui était vraiment une série comique, et que c'est dans le monde entier, en fait, les séries comiques sont plutôt en format de 26-30 minutes. Et donc la série de 52 minutes en comédie, ça ne paraît pas forcément évident. Moi, j'avais comme élément de réponse et comme envie purement en tant que producteur spectateur, parce que j'oublie jamais ma place de spectateur quand je suis producteur, de faire donc de la comédie romantique, qui me paraissait être une réponse qui permettrait de tenir, disons, la longueur du 52 minutes, parce que dans la comédie romantique, il y a de la comédie, mais il y a aussi donc de la douleur, des émotions et donc j'étais sur ces réflexions-là. On a fait produire chez Tetra Media avec Antoine Zimalka une série qui est portée par Sébastien, qui là en l'occurrence c'est du 26 minutes, qui s'appelle Irresponsable, qui est une comédie romantique. Saison 3 le 5 décembre. Saison 3 le 5 décembre sur Orange. Et donc avec toutes ces réflexions là ma réponse est un peu longue, entre temps le groupe ITV a racheté Tetra Media et donc j'ai découvert à cette occasion ce Cold Feet, qui est une série culte en Angleterre mais qu'on connaît pas du tout en France, et ce concept très simple, trois couples, ils sont amis dans la vie à Manchester, qui est un carton là-bas, fort de toutes ces réflexions là que je viens de vous livrer, je me suis dit, bah, c'est peut-être la bonne réponse. Et comme ça faisait des années qu'on parlait de ces histoires de couple avec Frédéric, ça m'a paru une sorte d'évidence que ce soit Frédéric qui pourrait écrire cette série. Et après, c'était aussi une évidence que Frédéric allait tout réécrire. Donc c'est plus là ce que je vous décris, c'est comment est-ce que les idées viennent et comment est-ce qu'à un moment on se dit on va faire cette série. Alors si j'avais été totalement malhonnête et si on n'avait pas été racheté par le groupe ITV, on aurait oublié Cold Feet, mais on n'a pas fait ça. Il y a une question qui m'arrive sur la tablette, et alors s'il y en a d'autres dans la salle, oui, il y en aura encore une au moins. Elle est toute simple, hein. Combien de temps a duré le tournage et combien d'épisodes? Alors ça, on l'a déjà dit, hein, pour la saison 1, 8 épisodes si je ne m'abuse, mais combien de temps a duré le tournage? Voilà ce que demande la personne, je n'ai pas de nom, hein, mais qui se reconnaîtra. 5 mois, non, en gros 4 mois et demi, un truc peu moins de 10 jours par épisode. Tout sur, euh,
sur place là-bas ou les maisons sont des vraies maisons, enfin tout ça, c'est pas du studio. Tout est tourné à Lille et dans la région de Lille, sauf évidemment les scènes inaugurales montagne. Mais par contre, on a tourné en deux périodes. Enfin, on a commencé le tournage en février-mars et on a terminé en août. Ouais. Nadège Loiseau a réalisé les quatre premiers épisodes et Marie-Hélène Copti a réalisé les quatre suivants. Nous sommes en train de les finir. On est en mixage là, en ce moment des tout derniers épisodes. Question. Alors d'abord, je voudrais dire que je me suis bien marré et que je n'ai pas vu le temps passer. Bon. Et ensuite, je me demandais pourquoi trois couples et pas quatre. Pourquoi pas quatre? On aurait peut-être rêvé, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi pas de couples de même sexe? Franchement, à notre époque. Alors sur la première question, c'est une question là vraiment assez technique. C'est le nombre de storylines dans notre jargon, donc le nombre d'histoires... qu'on arrive à gérer de façon efficace. On avait l'expérience du village et quand on dépassait trois storylines, on avait des difficultés de confusion, alors certes de possible confusion de c'est qui lui déjà, surtout dans le début de la série. Par ailleurs, il n'y a que trois couples, mais comme il y a six personnes qui composent ces couples, en réalité, souvent, on se retrouve avec quatre, cinq narrations à gérer, donc trois couples, ça pour le nombre de couples... J'ai un homme à la base. Oui, donc... mais en fait, c'est un couple avec deux entrées, si je puis dire. Non, mais il est. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non, du bah tout. Non. Je suis extrêmement gênée. Mais non, mais c'est un le couple. Le triangle amoureux, quoi. C'est classique. Ouais, c'est un forme de. Mais c'est quand même un ou un trouble. Enfin, en tout cas, ça fait quatre couples. Il est là quand même. Il est là. Parce que Sébastien, c'est pas un couple. Oh, bah, c'est un début de. Non, c'est un couple avec à deux Madame entrées. Merlin. Il y a trois couples, dont un à deux entrées, en fait. Bon, sur la deuxième question, j'ai considéré à tort ou à raison que la gayitude, enfin l'homosexualité, n'était pas suffisamment rentrée vraiment complètement dans sa présentation en fiction. suffisamment rentrée, disais-je, donc, dans le terreau de la fiction pour que ça ne fasse pas sens, c'est-à-dire je considérais que ça ferait sens un peu trop s'il y avait un couple gay et que je ne pouvais pas avoir les trois variantes de la même façon, d'une façon de traiter le sacrifice, enfin le que faut-il sacrifier dans un couple, mais c'est tout à fait discutable, c'est-à-dire j'ai pas d'état de l'art, moi c'est comme ça que j'ai considéré que ça ferait sens, peut-être que pour moi ça faisait trop sens et que donc j'ai pas pris cette option. Il y avait peut-être aussi un côté de... on est censé, effectivement, de nos jours, comme vous le laissez entendre, le faire. Et donc, je n'ai pas forcément envie de faire ce qu'on est censé faire de nos jours. Mais au-delà de ça, franchement, c'est surtout pour pouvoir explorer, disons, de façon... enfin, clinique n'est pas le mot. Approfondie trois variantes conjugales, j'ai préféré avoir trois couples hétéros. Bien, encore une question, deuxième rang. Oui, ça sera la dernière. Bonsoir. Vous avez mentionné tout à l'heure que ce n'était pas particulièrement marqué de générationnel. Est-ce que c'était une volonté de vouloir faire quelque chose qui soit pour que toute génération puisse s'identifier, même s'ils ont effectivement c'est des couples qui sont tous du même âge? Ou est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que c'était une volonté de votre part? On est sur France 2 avec un public qui a une structure d'âge que nous connaissons quand même assez bien, et qui n'est pas autour de 20-25 ans. C'est un premier élément, disons. Ensuite, c'est vrai que dans le village français, on n'avait pas envie que ça se passe dans un endroit précis de France. C'était un village français. Là, l'idée, c'est vraiment de parler du couple, des couples, de la conjugalité. Donc, l'aspect purement générationnel n'était pas passionnant. Après, ça m'intéressait pour d'autres raisons. Qu'il y ait un lien fort entre les trois hommes qui étaient ensemble au collège, ce qui pour l'âge, bon, bah forcément les trois hommes ont en gros le même âge, les femmes n'ont pas exactement le même âge, mais c'est vrai que la question générationnelle, au sens habituel de ce mot, n'était pas quelque chose d'important. D'ailleurs, encore une fois, j'ai 60 ans, les personnages en ont 30-35, et donc il n'y avait pas, enfin c'était pas une problématique, c'est pas une génération qui s'exprime, c'est plusieurs générations qui s'expriment, j'espère pendant plusieurs générations.
Eh bien, merci beaucoup. Et on se retrouve à 20h50 en 2020, c'est ça? Merci d'être venu. Merci à tous ceux qui ont suivi ce premier samedi série, puisque c'est la fin de cette première édition de samedi série. Et passez une bonne fin de week-end et j'espère l'année prochaine. Au revoir. À toutes et à tous, un grand merci pour votre présence, votre participation, vos questions. Merci aussi au public des médiathèques en région que nous saluons. Merci à l'équipe de la belle histoire. Voilà, on vous espère un brillant avenir et beaucoup de saisons. Et puis, bien évidemment, à toute l'équipe technique de la BPI du Centre Pompidou et à toute l'équipe de Télérama avec qui nous avons si bien travaillé. À l'année prochaine. Au revoir.